Et là, la justice de Dieu, c'est un sujet très capital dans le milieu chrétien. Beaucoup se disent aujourd'hui dans la vie que le fait d'être juste devant Dieu, c'est quelqu'un qui n'a jamais volé, c'est quelqu'un qui n'a jamais menti, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait cela. Eh bien, mais vous savez, dans Romains chapitre 1, verset 17, la Bible dit que la justice de Dieu est révélée en Jésus-Christ. Et elle s'obtient par la foi. Donc, en dehors de la foi, on ne peut pas parler de justice avec Dieu. La loi n'a pas été donnée pour qu'on soit justifié par elle. Ce n'est pas parce que je n'ai jamais volé les 10 commandements que Jésus a donné. La Bible dit que la première alliance, elle a été violée. Bien que les gens l'observaient. L'apôtre Paul a dit qu'il était versé dans la loi. Il était irréprochable dans la loi. Mais malgré que cette personne était irréprochable dans la loi, mais c'est lui qui persécutait l'église de Dieu. Donc, il n'était pas juste devant Dieu. La justice, c'est elle, elle a été donnée. La loi plutôt, elle a été donnée pour la connaissance du péché. Et nul ne peut être justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Romains 3, verset 20. Aujourd'hui, nous avons la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et nous sommes appelés à marcher maintenant dans la justice. Et cette vie de justice-là consiste à une vie de foi. Il a dit dans Romains 1, verset 17 que mon juste vivra par la foi. Et la vie de foi, c'est une vie qui consiste à agir comme Dieu veut qu'on agisse, peu importe ce que cela va nous coûter. On a vu dans le livre de Daniel, Daniel et ses compagnons qui étaient au pays de Babylone, les gens les ont imposés à adorer des statues, ils ont refusé. À manger des mets qui n'étaient pas recommandés par Dieu, ils ont refusé. Ils ont payé le prix. Ils ont été jetés dans la fosse aux lions, ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Mais ces personnes-là n'ont reçu aucun mal. Ils n'ont pas ni été brûlés par le feu, ni dévorés par le lion. Donc, si nous avons la justice de Dieu, ce qui nous revient à faire est de marcher dans une vie de justice, dans une vie de foi. Que le Seigneur vous bénisse. Et la justice divine ici, n'est-ce pas, est tellement avérée que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne un livre qu'on appelle le Coran. Et en même temps, ce qu'on va appeler Ahkam al-Sharia, l'ensemble, n'est-ce pas, de la jurisprudence. Et dans cet ensemble-là, on verra que cela est constitué de lois, de principes qui ne laissent personne. Comme on le dit, nul n'est au-dessus de la loi. Et cette loi-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, « Il y a ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi, wa ja'altuhu muharraman baynakum, fala tazallamu. » Il dit, « Moi, Allah, je me suis interdit l'injustice. Et après, j'ai interdit l'injustice entre vous. » Il dit, « Ne soyez pas injustes entre vous-mêmes. » Et dans un autre hadith, le Prophète sallam, il dit, « Al-dhulmu dhulmatun yawm al-qiyama. » Il dit, « L'injustice, c'est une obscurité au jour de la résurrection. » C'est pourquoi Allah lui-même, il s'est obligé la justice. Et dans cette justice-là, il y a ce qu'on va appeler la promptitude. Celui qui fait le bien, Allah te récompense. D'accord ? Man amila saliha, fali nafsi. Celui qui fait le bien, Allah dit il a fait pour lui-même. Man jaa bil hasanat, falahu ashir amthaliha. Celui qui fait le bien, Allah lui donne 10 fois cette bonne action. Waman jaa bil sayyiat, par contre, celui qui fait le mal, Allah lui écrit un seul péché. Ça, c'est la justice de Dieu, ça. C'est pourquoi en anglais, on dit « God is the merciful ». Dieu, il est toute bonté. Dieu, il est toute grâce. Et la justice d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dépasse l'entendement humain. Parce que là où nous, on pense que Dieu ne va pas pardonner, des fois, Dieu, il pardonne là-bas. Et là, nous, on pense que Dieu, il va pardonner, des fois, Dieu, il ne pardonne pas là-bas. C'est pourquoi, Inch'Allah, le croyant, il est entre deux choses. « Al-Khawf wa Raja ». En même temps qu'il a peur d'Allah, en même temps, il espère en la miséricorde d'Allah. Toujours est-il qu'on est à la quête perpétuelle de l'équilibre, de la stabilité, chose qui va nous permettre, Inch'Allah, d'être à l'abri du courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, cette justice-là, Allah va récompenser. Il va donner à chacun ce qu'il mérite. Il va donner à chacun ce qu'il devrait avoir. Et de sorte, Inch'Allah, qu'on puisse ne pas avoir d'argument contre lui, Allah subhanahu wa ta'ala, au jour de la résurrection. C'est pourquoi le Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y a un homme qui viendra au jour de la résurrection et il va dire à Allah, « Allah, si toi tu me juges, tu ne seras pas juste. Donc je veux que ce soit moi-même qui soit mon propre juge. » Et en ce sens-là, Allah dit, « Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. » Allah va sceller sa bouche et il va permettre, « Wa tukallimuna aidihim. » Il va permettre à ses mains de parler et ses pieds vont témoigner. Et après cela, l'homme, il va dire,
mais à ces membres-là, pourquoi est-ce que vous avez témoigné contre moi? Alors que votre témoignage va être cause, on ne va pas réussir. Et ils vont lui répondre en taqan Allah. C'est Allah qui nous a ordonné de parler et de nous dire que ce qui est vrai. Et donc Allah, de par-dessus tout, il est toute miséricorde. Il ne faut jamais désespérer de sa miséricorde. Quel que soit ce qu'on fait comme mal, il faut revenir vers lui. Et on verra qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est grand accueillant au repentir. Qu'Allah nous pardonne nos manquements. Nous allons prendre le passage de Matthieu, le chapitre 6, le verset 33. Que dit la parole de Dieu selon la justice de Dieu, selon cette référence? Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Dans ce passage, si on doit prendre dans le contexte dans lequel ce passage est donné, la justice de Dieu, c'est la vie que Dieu demande aux enfants de Dieu de mener. C'est la ligne de conduite que nous demande le royaume des cieux. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, c'est-à-dire et sa vie, et sa manière de faire. Alors toutes choses nous seront données par-dessus. Donc la justice de Dieu, c'est la ligne de conduite que le Seigneur nous donne à tenir en tant qu'enfant, enfant de Dieu. Si on doit prendre la justice de Dieu dans un autre sens, on peut voir cela dans Ecclésiaste, le chapitre 12, que nous dit la parole de Dieu selon Ecclésiaste chapitre 12. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur, selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Dieu t'appellera en jugement. À raison des jugements, il faut mettre justice. Dieu t'appellera en justice. Donc, on peut comprendre par ce passage que la justice de Dieu, c'est le jugement de Dieu. C'est le tribunal de Dieu. Donc, quel que soit ce que tu vas faire, tu seras confronté au tribunal de Dieu et à la justice de Dieu. Et la Bible dit que Dieu va juger selon ce qui est écrit. Donc, si on veut parler, la justice de Dieu, c'est la ligne droite que le Seigneur nous demande d'observer lorsque nous sommes sur la terre. Et la seconde définition de la justice de Dieu, c'est le tribunal de Dieu. Parce qu'en vérité, quel que soit ce que nous allons faire, quelle que soit la vie que nous allons mener, nous serons confrontés un jour au tribunal de Dieu. C'est une vérité qui ne changera pas. Quel que soit qui tu es, que tu croies ou que tu ne croies pas, la justice de Dieu va s'appliquer sur la terre. Alors Dieu nous demande de marcher dans sa justice, c'est-à-dire dans sa parole, selon ses normes, afin d'éviter à la justice, à sa condamnation, afin d'éviter à son jugement. Le jugement de Dieu est quelque chose qui arrive à grands pas. Il y a 2000 ans de cela, Jésus-Christ a annoncé que le jugement de Dieu sera pour très bientôt. La Bible dit, on ne connaît ni l'heure ni le jour que le Père a fixé pour son jour de jugement. Alors ce que nous devons comprendre en ce qui concerne la justice de Dieu, c'est non seulement marcher dans les normes que le Seigneur nous a enseignées, mais c'est aussi faire face au tribunal de Dieu, à la justice de Dieu. A dit, si vous croyez en moi, vous ferez de grands miracles, de grands signes, des signes prodiges